Alors coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera un haul cette fois-ci. Je suis allée à Action samedi dernier et hier. Voilà. Donc je sais pas quand est-ce que vous aurez la vidéo, mais je suis allée donc le 22 octobre et hier nous étions le 26, si mes souvenirs sont bons, voilà. Donc mais je suis pas allée que là samedi, je suis allée aussi à Brico-Leclerc. Et j'ai retrouvé cette petite guirlande. Donc c'est la petite guirlande plume, voilà, qui est électrique. J'ai dû la payer 13€. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a de pas Action. C'est celle que j'ai dans ma chambre. Je vous ai encore pas fait de room tour. Je vous en ferai un quand j'aurai fini de la décorer. Donc maintenant nous allons passer à Action. Donc c'est pas spécialement dans l'ordre. Je disais, c'est pas spécialement dans l'ordre, c'est pas ce que j'ai acheté samedi, ce que j'ai acheté hier, non, c'est un peu tout mélangé, donc je vais d'abord commencer par ce qui me vient à la main. Donc c'est ce petit, je me recule assez, calendrier de l'Avent, qui claire je crois, il enlève les piles, bref. Donc il est lumineux, il claire, il est assez grand quand même, y a-t-il les dimensions? Non, il n'y a pas les dimensions, je pensais qu'il y avait des dimensions, mais non. Ah si, il fait 37 par 7 par 43. Donc il est vraiment très beau. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait plusieurs dessins. Bref, il est vraiment très très beau. Donc ça va aller sur la cheminée. Je pense pas m'en servir comme calendrier de l'Avent. J'ai plus dans l'idée de mettre des petits mots pour Noël. Enfin, des petits mots pour mon chéri, pour Noël. Ça lui fera un petit calendrier avec des petits mots doux, on va dire. Et ça peut être sympa. Donc il prend assez de place hein, quand même, hein, voilà, mais il est très beau. Ensuite, c'est bientôt Halloween, mais je déteste Halloween. Enfin, j'aime pas du tout cette fête-là, Halloween, tout ça, c'est pas mon truc. D'ailleurs, vous avez pu le voir, j'ai pas fait un seul tuto make-up Halloween, ni rien du tout. Par contre, on a acheté cette petite citrouille, donc en plastique. Le calendrier valait dans les 10€, je crois bien. Et elle claire. Donc voilà, vous avez plusieurs modes. Et c'est vraiment pas mal. Moi j'aime, enfin elle est sympa, on l'a payé je crois dans les 4€ quelque chose, enfin moins de 5€, donc elle est quand même assez grande. Elle est quand même assez grande, elle est sympathique, voilà, elle est en plastique pour faire une petite déco à la fenêtre vite fait pour Halloween, c'est largement suffisant. Ensuite je me suis pris, donc là on va arriver dans les, je vais d'abord vous faire tout le reste et après on fera Noël. Je me suis repris 6 masques en tissu, donc 2 comme ceci, donc 2 comme ceci, ça doit être dans les 69 centimes l'unité, j'en ai pris 2 comme ceci, et j'en ai pris 2 comme ceci. Alors c'est des masques que j'aime beaucoup, vous les laissez poser 20 à 30 minutes, vous rincez. Oui, ils disent qu'il faut rincer, bref. Voilà, ils sont vraiment très bien pour le prix, il n'y a rien à dire. Moi, je les aime beaucoup. Donc c'est pour ça que j'étais contente de retrouver, parce qu'il y a un moment dans mon Action, il n'y en avait plus. Donc ben là, j'étais contente de les retrouver. Ensuite, j'ai pris des petites enveloppes bulles comme ceci. Donc là, il y a rose, bleu, argent et rouge. Donc comme ceci. Et là il y a rouge. Bon, il y a les mêmes couleurs. Voilà, là il y a exactement les mêmes couleurs. J'en ai pris de l'eau parce que je vais sûrement vous faire des petits concours. Je ne sais pas encore quand. Je sais qu'il y en aura un pour les 1 an de la chaîne. Ça c'est sûr et certain. Il y aura un concours. Je ferai un concours pour les 1 an de la chaîne. Donc au mois de mai, mars, avril. Je sais plus. D'être avril. Ça doit être pour avril, je ferai un concours pour les 1 an, un grand concours. Mais là, j'ai envie de vous faire gagner une petite palette que j'ai en double. Mais je vous en ai encore pas parlé. Donc soit j'attends de vous en parler, soit je sais pas. Je vais vous faire quelques petits concours de toute façon. Donc des petites enveloppes bulles, ça sert toujours. Donc voilà, j'en ai pris 2 là. Ensuite, on va passer à Noël. Donc j'ai pris ces petites étiquettes. Donc ils disent des étiquettes cadeaux, mais je m'en servirai pas pour étiquettes cadeaux. Donc voilà, elles sont comme ceci.
Pareil, c'était moins de 3 euros, je crois bien. Donc, ils sont vraiment très beaux, bonhomme de neige. Il y a des rennes, il y a des bottes, enfin voilà. Et celles-ci, par contre, elles viennent pas d'Action, celles-ci, mais je voulais vous les mettre dans ce haul. Elles viennent de chez Aldi, je crois bien. C'était 2 euros les 16 étiquettes. Donc voilà. Elles sont vraiment pas mal aussi. Je pense que des étiquettes, j'en aurais assez, sachant que j'ai déjà des lots d'étiquettes. Bref, mais j'ai pas mal de choses. Je veux faire pas mal de choses, donc du coup, ça peut toujours servir. Ensuite, pour vous faire un DIY, j'ai repris des blocs cartonnés comme ceci. Donc j'ai pris celui-ci. Je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a dedans. Je sais pas si vous verrez bien. Donc là, il y a des sapins. Là, vous avez des chaussettes. Là, vous avez dit ça. Des petites étoiles. Voilà, et un peu de tout. Et j'ai repris... J'ai plus de place pour les poser. Et j'en ai repris un comme ceci dans les tons bleus. Bon, même si cette année, ma déco, c'est pas bleu. Mais il y a du tout. Il y a du blanc, il y a du bleu comme ceci qui est vraiment très beau. Vous avez quoi d'autre qui peut être beau? Ils sont tous beaux de toute façon. Oh, celui-ci, je l'aime beaucoup. On dirait un pull en laine. Donc voilà, ça va être sympa. Il y en a combien dedans? Ouais, il y a 24 feuilles. Ah, ça va être... C'est parfait pour faire ce que je voulais faire. Donc je vais pouvoir un peu panacher. Donc j'en ai pris deux. Ça doit être moins de 4 euros le bloc. Donc autant vous dire que comme d'habitude, on s'en prive pas. Ah bah tiens, il y a la note. Pour une fois qu'il y a la note. Alors, les enveloppes bulles, c'était 0,69 l'unité. Le calendrier de l'Avent était à 9,95. La citrouille d'Halloween était à 4,95. Les blocs de dessin sont à 1,99. Vous voyez, j'étais loin du compte. Ensuite, j'ai pris donc un lot de rubans comme ceci. Donc dans les tons rouge, blanc et vert. Ils sont vraiment très beaux. Je les ai surtout pris pour les deux petits simples là, les rouges et les verts. Donc ceux-là, ils étaient à 0,98 l'unité. Donc j'ai pris celui-ci. Et j'en ai pris un autre. J'ai pris celui-ci dans les teintes doré, noir, blanc. Voilà. Donc ça va être cool pour faire ce que je voulais faire. Donc pareil. Ensuite j'ai pris pour faire... Alors je sais pas encore ce que je vais en faire. J'avais des idées mais je pense que je vais aller en rechercher. Parce que j'ai vu certains un DIY que j'aimerais bien vous faire. Et en même temps j'ai envie de faire un cadeau pour mes invités pour Noël. Avec ça. Donc c'est des sucres d'orge. Voilà. Donc les sucres d'orge étaient à 0,89 les 12. Donc, voilà, il y en aura assez pour faire... faire mes petits cadeaux invités. Par contre, je sais pas si j'irai pas en reprendre pour vous faire un petit DIY pour Noël. Ensuite, j'ai pris cette petite, cette grosse boîte. Donc, il y a 680 grammes de célébration. Donc, je sais pas si ça valait le coup. La boîte est à 8,95. Mais bon, je l'ai trouvée assez grande. Donc, je pense que ça suffira pour remplir mon calendrier. Et voilà. Donc je vous ai déjà dévoilé pas mal de choses en fait dans cette vidéo pour le mois de décembre. Vous savez que vous allez avoir DIY. J'en ai trop dit peut-être. Hein. Faut pas tout que je vous dise maintenant, sinon vous aurez plus le plaisir. Donc voilà. Et ensuite pour finir, j'allais l'oublier. Ah, il y avait aussi des stylos. J'ai pris des stylos, donc des comme ça, dorés et argentés pour écrire. Je me suis dit que ça servait toujours. Il y en a deux dorés, un argenté. C'est à encre gel. Donc voilà, ça va être parfait pour faire ma petite déco. Et pour finir, je me suis prise, j'ai craqué quand je l'ai vu, ce petit plaid tout pilou pilou en léopard. J'aime beaucoup cet imprimé. Et voilà, je me suis dit, allez, on va la prendre. Elle était à 12,95 je crois. Enfin 13 euros là. Le plaid, sachant qu'il fait 130 par 170, donc il est quand même super grand. Et moi j'aime bien
tous les grands plaids comme ceci. Enfin voilà. Donc ce haul est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'ai un poil là, ça m'énerve. Bref, on s'en fout. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, n'hésitez pas. Plein de choses vont arriver dans ces prochaines semaines, prochains mois. J'ai pas mal d'idées. J'ai une petite surprise pour vous pour Noël, pour le mois de décembre. Donc j'espère que ça vous plaira. Vous en saurez plus à la fin de ce mois-ci. Du temps de tout encore mettre en place, de bien tout... tout préparé. Sinon, que vous dire d'autre? Bah, c'est tout. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à venir sur cette chaîne. N'hésitez pas à participer parce que cette chaîne, c'est vous aussi. Hein. N'oubliez pas, commenter, liker, partager, donnez-moi vos idées. Je réponds à tous les commentaires. Je prends compte de toutes les remarques. Après, j'applique ou j'applique pas ça. Mais je prends compte de toutes les remarques. Et j'essaie de m'améliorer, voilà, ça fait que 7 mois que je suis sur YouTube, que j'ai ouvert ma chaîne. Donc je pense que j'ai encore énormément de choses à apprendre, j'ai énormément encore de choses à vous partager. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, le petit couplet, abonnez-vous, etc. est fini. Donc voilà, j'espère que cette vidéo haul et blabla vous aura plu. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.